His Excellency, Mr. Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs of France. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Cette année, comme vous le constatez, c'est le ministre des Affaires étrangères qui conduit la délégation française à la Conférence générale. Ma présence veut marquer l'attention très particulière que la France entend manifester envers l'UNESCO, organisation clé du système des Nations Unies, dont nous avons l'honneur d'accueillir le siège à Paris. Et il y a une raison supplémentaire à ma présence et à notre attention, c'est que l'UNESCO traverse une période difficile. Mesdames et Messieurs, dans cette situation difficile, je veux dire que nous avons confiance en la capacité de l'UNESCO d'avancer grâce à vous tous, grâce à la communauté de femmes et d'hommes compétents et passionnés qui constituent votre secrétariat et grâce au courage de votre directrice générale. Le Conseil exécutif a souhaité, Madame la directrice générale, que vous soyez reconduite dans vos fonctions et je veux, au nom du gouvernement français, vous en féliciter et vous souhaiter bonne chance. Nous pensons que l'UNESCO doit contribuer à répondre à beaucoup de défis et notamment à 5 défis que je veux brièvement résumer pour que ma voix ne se confonde pas avec la gentille musique qui monte avec le temps. Le premier défi, c'est de promouvoir la culture dans un monde où elle est souvent négligée et pillée. La culture est un facteur de liberté, de démocratie, de développement durable, parce qu'elle relie les sociétés à leur histoire et à leur territoire, parce qu'elle les libère, parce qu'elle les éclaire sur les choix qu'elles ont à faire. L'UNESCO, bien sûr, doit remplir pleinement sa mission de promotion de la culture dans le monde. Concrètement, cela implique d'encourager la création et la diffusion des œuvres. Cela passe par la préservation du patrimoine culturel, notamment dans les pays en guerre, patrimoine essentiel pour la reconstruction. Et je veux saluer l'action de l'UNESCO partout et notamment au Mali dans cette direction. Cela implique de lutter contre le trafic des biens culturels. Cela conduit à assurer la place de la culture dans les grandes négociations internationales. La dimension culturelle, bref, doit être prise en compte partout. Deuxième défi, il s'agit de répondre aux périls climatiques et environnementaux. Comme vous le savez sans doute, la France devrait accueillir fin 2015 la grande conférence internationale sur le dérèglement du climat, et cette réunion sera décisive. Je souhaite que l'UNESCO utilise son expertise qui est grande pour la préparation de Paris Climat 2015, notamment en matière scientifique et d'éducation à l'environnement. Troisième défi, garantir la diversité culturelle et linguistique à l'heure d'Internet. Nous savons tous que la montée en puissance des acteurs globaux de l'Internet bouleverse les pratiques et le financement de la création. Les frontières physiques, douanières, fiscales deviennent inopérantes. Nous devons proposer pour les nouveaux espaces numériques de diffusion une déclinaison opérationnelle des principes de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Quatrièmement, promouvoir l'éducation et particulièrement celle des filles. Nous comptons sur l'UNESCO pour agir dans les pays en développement, particulièrement en faveur de l'éducation des jeunes filles. Nous savons que la scolarisation est un accélérateur de développement, un lieu d'accès à la citoyenneté et un outil essentiel de diversité culturelle et linguistique. La France souhaite travailler avec l'UNESCO à une initiative en faveur du multilinguisme dans le domaine de l'éducation, favorisant l'enseignement de 2 langues étrangères dans le système éducatif. Enfin, dernier défi, nous voulons promouvoir partout la liberté d'expression.
Nous souhaitons que soient renforcés les programmes de l'UNESCO relatifs à la liberté d'expression, à la formation des journalistes, à la mise en place de législations pour le secteur des médias dans les pays en transition démocratique. Et à cet égard, je veux souligner que dans de nombreux pays, la censure est toujours active et marquée aussi, pour m'en désoler, la recrudescence des violences visant les journalistes. Je pense évidemment avec émotion aux deux journalistes de Radio France Internationale récemment enlevés et assassinés. Mesdames et messieurs, sur ces sujets comme sur d'autres, la France entend être force d'action et de proposition. En 1945, c'était Léon Blum qui représentait mon pays, et il disait, je cite, « Il faut se mettre en harmonie avec les lois profondes de l'univers et non pas avec les préjugés et les habitudes qui en voilent le véritable sens. » Et il ajoutait, « Chaque siècle a sa tâche dont les autres ne sauraient s'acquitter pour lui. » C'est une bonne définition de la mission de l'UNESCO. La France est fière d'avoir l'UNESCO sur son sol. Elle vous fait confiance. Elle est attachée à votre mission. Merci.